Nam Seven Spall, nous connaissons déjà. Donc, dans la vidéo, ça, on va vous montrer comment pour remplir le formulaire pour Nicaragua. Nous connaissons dans le moment ça, il y a un pile et raquette, il y a un pile agence de voyage qui a fait mon habit. Mais dans la vidéo, ça, si vous prenez, si vous finissez de vidéo, ça, vous tombez dans mes mondes, c'est parce que vous voulez. Donc, on va vous montrer tout secret. Et après, vous finissez de remplir le formulaire, ça, vous voyez aller sur un email. Après ça, vous pouvez voyager à Nicaragua. Vous pas besoin de temps et pour voir le bar, vous pouvez juste voyager à Nicaragua. Seulement, vous devez remplir le formulaire pour voir avec anticipation. On a regardé. Et si c'est pour la première fois tout vous tombez sur vidéo ça pas oublier abonner et mettre le sous tout à chaque fois que mon lagué une vidéo pour capable jeune partager avec famille amis pour capable jeune information ça sur channel pour là qui c'est Haïtien Uni un channel qui crée spécialement pour informer nous et pour aider nous avancer au niveau technologie et pour capable remplir formulaire ça et pour jeune formulaire donc regardez vidéo et vous pouvez venir là et sur Google soit sur téléphone ou sur laptop ou bien mais de préférence et c'est sur laptop ou d'abord faire sur ordinateur OK donc vous pouvez venir là vous cliquez là vous écrit et par exemple vous écrit formulario Nicaragua comme ça là fin écrit formulario Nicaragua vous joignez option ça, vous cliquez sur première option à côté qui dit formulario de ingreso y egreso organizado, qui veut dire il y a un formulaire de entrée et sortie organisé. Vous cliquez là comme ça. Vous cliquez là, vous avez une formule. Vous venez là côté qui dit igualdad et puis là vous ouvrez formule. OK, et ça c'est formule là. Ça c'est formule pour remplir pour Nicaragua. Là, ça c'est formule là, on pourrait partir ça. C'est si par exemple, il dit la date de accompagnante que viaja con el solicitante, qui veut dire si ou bien monde cap accompagner ou même cap solliciter et cap remplir formule là, donc ou bien remplir pour monde ça dans partie ça. OK. Là on va montrer ou dit 0 jusqu'à 100, comment pour remplir formule ça facile et bien rapide. Vous regardez la vidéo et pas avancer pour capable apprendre comment vous devez faire le processus ça. Donc, premier ça vous faire. Vous venez là et vous mettez fecha jour, mois et année. Ça c'est premier ça vous faire dans la formule. Deuxième ça fait on venir là on mettre signature côté dit apellido et puis tout pas oublier côté tout côté qui gagne yon petite étoile rouge li obligatoire. OK? Tout côté qui gagne petite étoile yo obligatoire et ça pas gagne étoile yo pas obligatoire. Ça ou doit connaître. Donc, si ou pas connaître ou pas capable remplir formule là parce que ou tomber dans chaud. Et pour nous continuer, pas oublier là on mettre signature. Là, vous mettez non là. Vous mettez non. Après ça, vous descendez là dans la troisième option. Côté dit sexe, vous sélectionnez sexe ou sous ces filles ou bien garçon. Dans le cas de là, moi c'est garçon, vous sélectionnez masculin. Là, exemple. OK. Après ça, vous venez là, côté dit lugar de nacimiento, lugar de nacimiento. Ou mettez côté qui au fait là Haïti par exemple nous disons moun qui Haïti Haïti après ça là ou mettez fecha de nacimiento ou mettez jour mois et année qui la jour ou bien 40 ou 50 ans ou écrit 50 ans là 40 ou 50 20 30 15 salier ou écrit là à la jour après ça à continuer dans la partie 7 là, on écrit nationalité. Nationalité, par exemple, si ou c'est haïtien, normalement c'est haïtien, et bien on mettez nationalité haïtienne. Là,
yo mande ou, est-ce qu'on gagne l'autre nationalité par exemple? Là pour ça, il n'est pas obligatoire que vous soyez capable de quitter le consa, mais si en cas où vous avez une autre nationalité, vous êtes capable de mettre là. La partie 9 là, il dit profession ou officio. Qui veut dire profession ou bien office. Non. Là vous êtes capable de quitter le consa et si vous avez une profession, vous êtes capable de mettre là. Mais il n'est pas obligatoire parce que après, il n'y a pas une étoile rouge là. Donc, si vous avez une profession, vous voulez mettre là. Quoi mettre? On a le pour et partie 10 là. Lugar de trabajo. Là, il n'est pas obligatoire tout. Il dit côté au travail. Si vous voulez ou mettre, si vous ne voulez ou pas mettre, parce que il n'est pas obligatoire. Après ça, nous avons ça et partie 11 là, numéro 11, qui dit direction de travail. Donc, si vous travaillez, vous voulez mettre direction de travail, vous êtes capable de mettre, mais tout n'est pas obligatoire. On a l'air, on continue. Dans le numéro 12, là, vous m'avez dit est-ce que vous êtes marié, ou bien célibataire, ou bien union civile, ou même qui connaît, mais vous mettez une quand même parce que c'est obligatoire pour mettre soit ou marié, ou bien ou dans union civile, ou bien ou séparé. Numéro 13. Dans numéro 13 là, il m'a dit correo electrónico. Email electrónico. Pas oublier pour bien écrire email là. Email electrónico dans partie dans numéro 13. Numéro 14 qui toujours obligatoire. Mais là pour côté là pour numéro 13 là tout n'est pas obligatoire qui c'est email électronique par là. N'est pas obligatoire. On a li nan numéro 14. Numéro 14, c'est numéro téléphone. Li obligatoire. Nous pouvons aller là nan et direction. Numéro 15, direction domicile et sous-pays. En sous-pays. Ok. Domiciliaire en sous-pays. Ce qui veut dire direction pays côté, soit Chili, Brésil, Haïti. Qu'importe pays que tu as vu là, ou besoin direction. Ok. Qu'on est là, nous finissons rempli, partie ça, nous vivons dans 15 ans, là, nous finissons rempli, partie en l'air. Qu'on est là, nous parlons de partie B1. Hein? Ok. Ça, c'est partie A. Dans partie B1, nous avons type de documento de viaje, qui c'est type de document de voyage. Là, nous disons, celui-là, salva conducto, passaporte, passeport ordinaire ou bien officiel. Donc, ça dépend de vous-même qui type de passeport gagne, mais depuis souvent, c'est passeport ordinaire. Ok? Passeport nous en général, tant que passeport, c'est passeport ordinaire. Donc, là, vous êtes capable de mettre passeport, sous sélectionner passeport là. On met le passeport là, on clique là. Il m'a dit l'autre document par exemple. Si vous avez l'autre document, celui-là, tant que celui-là chilien, donc on est capable de remplir avec celui-là ou bien. Et canet chilien, ok. Pays de émission, il m'a dit qui pays qui barre le document ça. Donc si c'est avec canet chilien, on met Chili. Si c'est Haïti, si c'est un passeport, on met Haïti. Là. Là, on m'a dit numéro document. Donc, si c'est passeport, on met numéro passeport là. Si c'est canet, tout, on met numéro canet chilien là. Et pas oublier là, c'est Chili pour mettre parce que on va remplir avec un canet chilien. Fecha de émission là, partie ça. Fecha de émission et yo mande ou ki date ki yo te ba ou passeport ça ou bien canet ça ou bien résidence ça. Pas de problème. Donc ou mette date là, jour, année et jour, mois et année. Puis devant là, yo mande ou date d'expiration. Pas oublier ça li même tout, li obligatoire parce que on peut li gen là yon ti étoile rouge. Ok, là, on met date d'expiration, document, soit passeport ou bien canet.
Après ça, on vient là, côté qui dit, non, numéro 17 là qui dit, procedencia o visa vigente. Donc, là, ça dépend de vous-même si vous avez une résidence ou bien visa à jour. Et si vous avez une résidence ou bien visa à jour, là, il est obligatoire pour dire et pays de résidence. OK? Pays de résidence qui boke ou ap, et ou résidé qui boit vivre. OK? Et faut moi dire clair pour nous ka comprendre, l'eau dit notre pays de résidence pas ça pas dire yon pays qui gen yon résidence permanent, j'en nous pense là. C'est pays kote ou résidé, c'est pays kote ou résidé, c'est pays kote ou ap vivre. OK? Donc là on mette résidence là pays de résidence, on mette là résidé Chili, exemple, ou bien Haïti. Numéro résidence là, la on mette là. OK. Là audio, là nous parler de nous pas parler de document de voyage là, là nous parler de un autre document par exemple, ou dit ou résider dans un autre pays. Qui veut dire ou vivre chez lui ou gain document chez lui. Donc, là on m'a dit et emiti yo là on mette les yoti baoul. Dans partie ça côté dit visa et Europe ou bien Canada visa Canada et li pas obligation mais si ou gagne ou mette là si ou gagne visa Canada ou bien en ou bien qu'importe l'autre pays en Europe. OK, visa et Schengen ou mette là pas de problème. Après ça nous gagne partie C. Dans partie C, hein, on peut là, il m'a dit datos de viaje, date de voyage. Ça très important. Date de voyage là, la fecha de entrada, qui le wap antri Nicaragua. Là mete jour, mois et année dans partie ça. Ça li très très important. Donc dans partie ça là et pas oublier tout avant que nous arrivions là dans partie ça, excusez-moi t'a oublié et sélectionner un partie numéro 18 là qui c'est ça. OK, dans numéro 18 là, pas oublier pour sélectionner côté qui sélectionner type d'entrada ou la entrada ou sélectionner transit par exemple ou bien c'est ou même qui connaît qui a saut d'entrée qui ou besoin faire dans pays ça. Si c'est transit, ou besoin faire Nicaragua, donc on sélectionne transit. Et si on retourne tout, on sélectionne y retourne. OK, là on sélectionne una entrada par exemple. On va aller dans Nicaragua pour retourner, même l'on pas retourner vrai. Même l'on pas retourner vrai, mais quand même on dit on retourner. Donc là on sélectionne una entrada. On a entré là et puis là on sélectionne côté qui dit et y retourne qui veut dire on va entrer ou retourner. Donc après ça il fait charge entrada, après fait charge entrada puerto de fronterizo et puerto de fronterizo on clique sur ça on écrit par exemple côté on sortir si c'est Chili. On peut écrire Chili, si c'est Haïti, on peut écrire Haïti. Procedente, quand on sorti, mais là, procedente, pays de procedente, Haïti, donc on peut écrire Haïti. Ou bien Chili, quand on sorti, pays de procedente. Puesto fronterizo, j'aime ça dire là, ça dépend des frontières, quand on sorti, donc. Oh, ça dépend de vous-même. Et nous partons là pour numéro 21. Medio de transporte. Et si c'est vous sur véhicule, véhicule transport ou bien véhicule privé, ça dépend de vous-même. Ou bien l'autre, là, on peut mettre aéroport ou bien aérolinia, tal et tal. Ok, ça
dépend de vous-même. Donc, là, je m'en dis où, motivo. Motivo, qui veut dire, donc on est là, et normalement, c'est touriste. Nous avons besoin de dire l'autre, c'est touriste. Parce que c'est pas une famille, nous pas l'ouest, c'est pas pour les politiques, religion, religion, familiale, médicale, estudio, autre, tramite de residencia, ou pas qu'à sélectionner une année, ni pour travail. Donc, c'est touriste. Ok, là, on sélectionne ça, qui c'est touriste. Ok, après ça, qui ça demande nous là? Direction prévisto en Nicaragua. Direction, qui veut dire qu'on va aller Nicaragua, n'a pas dit ça. Direction prévisto en Nicaragua. Et la partie ça qui c'est numéro 27 là, on dit accompagnante. Si vous sélectionnez si, là, il faut remplir la partie ça. Si vous sélectionnez non, donc il n'est pas nécessaire. Parce que là, on dit, ou pas gagner monde qui accompagne. Ok? Donc, partie ça, on a pour essayer téléphone, et direction Nicaragua, et puis signature firma. Et qui côté pour voir document ça? La grande question. Qui sont va faire avec formule ça après ou finir rempli tout ça me montre yo. Donc on venir là sous email ça men là m'a soulier le bout email ça qui là qui dit solicitudes a commercial migob.gob.ni. C'est sous email ça ou voye pas oublier l'op copier pas copier et virgule ni point. Ou seulement copier email là ou bien ou écrit. Donc ou voye aller sous email ça avec anticipation avant que ou voyage dans le pays Nicaragua. Et document ça la privé Nicaragua avant, bon c'est normal. Donc avant que ou vive airport là, avant que ou vive dans airport Nicaragua, ou doit être envoyé formule ça avec anticipation. Donc mes amis, moi c'est très facile. Et ou même qui garde vidéo ça, pas besoin payer un monde pour faire le gros. Ou même ou capable faire sans que yon monde pas aide. Et li très facile. Ou ap écrire formule là, ou prend plume ou remplir. Et si ou t'as besoin connait comment capable remplir tout pendant que ou sur page là ou remplir sur machine là sans que pas besoin même et imprimer pour remplir avec plume ou capable tout remplir sur page là. Si tu as besoin connait comment capable faire, donc quittez un commentaire en bas vidéo et puis m'a faire une autre vidéo m'a montrer comment ou capable gain accès pour tout remplir côté lié là sans que ou pas besoin sortir sur page là et puis pour tout voir là. Comment on va le voir là, là on va le montrer comment on va le voir là. Là et on regarde là n'après ça c'est email là. OK et ndé ou vin là ou copier par exemple email là comme ça ndé ou copier là moi déjà copier email là comme là. Pour m'envoyer email ça et document ça aller, donc m'a venir là, m'a ouvrir ça, m'a cliquer sur email moi, m'a ouvrir. Ok, là li ouvri. Quand on a venir là à gauche là, on va cliquer là. Côté dit rédacteur. OK. Quand là on prend email ça on saute copier, on met là comme ça. Mais là et puis on venir là. On met ça on va montrer. On venir là.
là il y a bonne option pour capable sélectionner par exemple sélectionner formule là on dit par exemple si ça c'était formule là on tape sélectionner le comme ça avril OK pour voir le document ça aller on clique là côté dit MBA là où tout voyez aller sans problème donc comme on pas voyez m'a retirer m'a cliquer là m'a éliminer donc et ces gens moi saute montrer là bon c'est la vidéo ça l'a aidé et pas oublier et si vraiment vidéo aidé pas oublier quitter un commentaire et partager et avec famille amis pour tout le monde capable joindre information ça qui est là pour aider communauté à communauté haïtienne là donc même c'est Evans Paul j'aime toujours dire et la prévoir encore dans une autre vidéo pour monde qui t'a besoin écrire tout pas lié moi gain numéro téléphone moi qui c'est 484 95 963 et un autre numéro encore qui c'est 45 55 96 52 donc nous capable écrire dans numéro ça pour qu'importe information la prévoir encore dans une autre vidéo.